Bon, Reldric, merci beaucoup encore une fois. Cette fois, je vais accueillir pour le troisième stage, au début du troisième stage, eh bien, Hob. Changement d'assistant. Salut. Salut. Hop, je te demande pas si tu connais le jeu, à mon avis. Tu connais bien bien le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Ouais, ah, toi, tu il y a eu de l'attouchement, là. Ah, tu as des poux jeu. Aussi. Tu connais... Ah, ah, toi aussi, tu te gourdes de boutons. Je vais sur C, normalement. Ah oui, il y a même pas d'ennemis, là. Oui, non, c'est pour tester, savoir pour pas qu'elle s'enraye. D'accord. C'est bon, ça marche. Alors, on a eu le droit à la rue commerçante. Ah bon, t'as vu... Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça me rappelle Apocalypse Now. On a eu le droit... Comment dirais-je, à la ruelle déserte. À la rue voilà. Qui est à nous. Et bien maintenant, on a la le rue droit. Sésame. Ouh, je l'ai attrapé plein vol. Et à la plage. Non, bah oui, normal. Bah normal, oui, bien bah entendu. Oui. Il y a toujours les roues. Il y a toujours ce ninja. Il y a toujours Shiryu et des roues. C'est ce jour. Ninja qui vient nous aider quand même. Et qui, ils ont changé qui, de tenue, les roues. Un petit peu à Axel, j'ai l'impression. Ce jeu aurait pu s'appeler. On peut aller dans l'eau. Ce jeu aurait pu s'appeler La colère du ninja et des roues. Est-ce que tu imagines quand même que. S'ils avaient mis des requins dans les vagues. Shark attaque. C'est Rage, c'est ça? Shark of Rage. Shark of Rage. Enfin, faut pas donner d'idée à Asylum, la boîte de production qui fait des Shark Attack, là, parce qu'autrement on est dans. Donc alors... pour en revenir aux ennemis, ce que j'avais commencé à dire avant que tu finisses le stage précédent, ouais. C'est que dans Street of Rage 2 et 3, chaque ennemi a un nom en fait et une barre de vie qui apparaît. Ah. Dans le 1, ce n'est pas le cas, en tout cas en Europe. Il faudrait que je vérifie si c'est le cas sur la version japonaise. Mais normalement, chaque ennemi a un nom. D'accord, ok. Bah, il faudra voir ça. She lies a win. Oh, Patrick Swayze, là, tu te calmes. Vous me faites peur. Et pourquoi tu frappes les filles, toi? Tu peux pas les Parce laisser. Sont méchants. Tu peux pas les laisser s'entretuer. C'est une plage qui n'est pas très propre. Hein. Non, il y a quand même des pneus qui sont... Vu le stage, il ne manque plus qu'une planche de surf et on est en plein point break. C'est la plage où il faut pas trop traîner le soir, sauf ça, si t'as des mœurs un peu particulières. Une pomme. On peut manger équilibré. Oui, enfin, sauf le rôti hein, de tout à l'heure. C'est la viande blanche. Ouais, enfin, moi, je trouve un rôti par terre, je le mange pas personnellement. D'ailleurs, la pomme non plus. Allez, c'est que pour le score, mais... T'as pas connu la crise, toi. J'ai pas connu la guerre. Tiens, Obron. Tiens, plombier, vas-y. C'est vrai que... Oula, je crois que j'ai pris un coup de tuyau. Un coup de tuyau dans la bouche, ça fait très très mal. Non, c'était dans le dos. On appelle Blaze les bons tuyaux. Wow, le punk que je fais rose là, il gère bien. Ouais, alors quand il te projette comme ça, t'as un moyen de te rétablir sur c'est tes pieds. Ouais. Comment on fait? Je sais plus. Merci. Merci pour ce conseil utile. Non, je crois qu'il faut appuyer en haut et sur le bouton de saut, je crois. On a bossé l'émission quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Les pneus. J'ai cru que c'était des canettes pour boire. Ce sont des canettes. Pour pas boire. Ouais, vas-y toi. Après, il y a un coup spécial où tu fais baisser en même temps. Tu peux taper dans l'autre sens. Attention, il a blessé frère le ninja. Tu sais, c'est le ninja dans Dragon Ball. Les 5 ninjas. Oui, c'est Murasaki. Je crois qu'il y en a qu'un seul. Oh, allez, à moi. Oui. Pas mal, beaucoup de genoux, hein. Tiens, dans le vent. Mais c'est des arts martiaux pas précis. On va peut-être te noter, tu vois, quand tu fais des choses comme ça, comme au patinage artistique. Ouh là 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 là. Alors oui, ça va, on a pas trop mal géré là. Ce que disait Reldric, c'est que chaque personnage a un coup pour frapper derrière lui. C'est bien, mais comment B et C en même temps. Ah, je savais pas. Voilà. Donc c'est un coup de poing, je crois, pour Axel. Un coup de pied pour Blaze. Par contre, je trouve qu'elle bouge très bien. Et il vous reste 23 secondes, mais apparemment ça s'est arrêté. La musique a changé. Non, pas encore. Les stages sont un peu plus longs après. Attendez. À peine il arrive, lui, il m'a mis une stachasse de l'espace. Quoi. Ce qui est bien, par contre, dans ce jeu, par rapport à... Il pleut. Fight, sur c'est des averses. C'est la mousson. C'est que la Mega Drive, j'ai pu gérer quand même beaucoup plus de sprites en même temps qu'un Super NES. Du coup, ça avait. Il y a plus d'ennemis à l'écran. Ouais, il y a plus d'ennemis à l'écran. Donc c'était surtout, tu peux jouer. Et puis je trouve. En coop à deux. Ouais, alors, il me semble que la version Jap de Final Fight, tu peux jouer en coop à deux. Non, c'est pas mais la je trouve Omega, que, des, je trouve que les graphismes et les sprites sont beaucoup plus jolis dans Street of Rage que dans Final Fight. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Les persos sont. En fait, c'est un style différent. Oui, c'est un style différent, mais moi je préfère largement. On peut dire mieux. Mais j'avoue que Street of Rage, c'est quand même au niveau des beats et molles. Là où Street of Rage
sortait son épingle du jeu, c'est qu'en comparaison avec la Super Nintendo, la Mega Drive permettait d'afficher plus d'ennemis à la fois. J'ai rêvé où il y a eu deux fois une tempête de pluie et ça s'est arrêté, c'est vraiment la mousson dans ce... Ouais, mais la météo est un peu aléatoire quoi. Voilà, c'est ça. Ah. Et là, il y a peut-être un requin qui va sortir en boss. Hein. C'est ça. Avec des lasers à quoi. Alors attention, c'est la minorité Amérique du Sud, les boss. Hop là. Ah oui, d'accord. Pourquoi minorité Amérique du Sud? Moi, ouais, on dirait des Mexicains. Ah oui, c'est Amérique centrale plutôt. Spéciale. Ah oui, ça. Oh, oui, avant de mourir. Avant de mourir. Ils viennent en rouler sur la plage avec leur voiture. Est-ce qu'il y a question bah, y a bien existentielle des gens en slip. Est-ce que oui, c'est ça, ils s'en foutent. Il y a bien des gens en slip sur la plage. On se baigner. À toi. Ah, tu. Ouais, mais t'aurais pu sauver. T'aurais pu sauver Fred. Un peu plus. Bon, moi je l'ai vu, il a fait exprès. Hein. C'est vrai ça. Les catcheurs qui font mal, on est tous d'accord quand même que. Ça leur a rien fait. Ah si, ça leur a fait mal quand même. T'as eu un peu peur là, hein. Oui, un là, petit peu quand même. Tu peux en relancer une, parce que ouais, ça recharge d'accord. À la fin. Oh là 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 là, mais oh. T'as récupéré une attaque spéciale. Ouais, bah, on va se les faire qu'à l'attaque spéciale, hein, parce qu'ils font très très mal quand même les deux là. Ils sont très puissants. Une splash atomique, je pense que même s'il avait loupé, j'aurais perdu deux. Il y a un roux qui a peur là. Hein. Ah, il y en a un qui est pas mal. Ah tiens, ils sont tous ah, morts. Le coup, ouais. Joli, joli. Allez, hop, allez, je regarde si t'as des poux. Ah ouais. On a fini le premier stage. Voilà. Premier stage, mais on a perdu deux vies quand même. Là. Ouais, là, c'est pas Est-ce pareil. Qu'il y a des crédits? Normalement, oui. C'est ce normalement qui m'a fait peur. Oui, oui. D'accord. Il y a des crédits. Mais il existe aussi un code pour les continues supplémentaires. À l'écran titre, fais gauche, gauche, 3 fois B, 3 fois C et start. Alors que les musiques sont dignes d'un Dance Machine 92 quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il t'enlace. Ça s'appelle la lambada quand tu veux. Alors, puisque tu parles de lambada, c'est rigolo parce que sache que c'est le hobby de Blaze, la lambada. Ah bah ça m'étonne pas, tu vois. Ils ont chacun un hobby et Blaze c'est la lambada. Axel c'est les jeux vidéo et Adam c'est les bonsaïs. Ça ne nous servira pas beaucoup à non, nettoyer les rues. Non, ça n'a pas une grande importance dans le jeu, je t'avoue. Mais vas-y, tu peux nous faire une démonstration de lambada si tu veux. Non, en fait. La fous-moi là. Ah, oula, elle est en noir maintenant. Ouh ah, là là. Elle a changé d'habit. C'est la chef. Là, c'est maîtresse Domina maintenant. C'est la malédiction des couleurs. Mais les. C'est pas vraiment du Bitel. Sont tous les ennemis changent de couleur au fur et à mesure. Tous les beat'em all des années 90, c'était quand même assez. Cuir moustache. Bah, il faut savoir que c'est simple. Dans tous les beat'em all, elles ont toujours. Les filles ont toujours un fouet. Oui. C'est l'arme de prédilection des filles, visiblement. Sauf dans God of War, où là c'est le héros qui a les fouets. Non, sauf dans Castlevania, t'aurais pu dire alors. Où là c'est vraiment un fouet. Mais ce n'est pas un beat'em all. T'as des pecs. Je suis désolé. Ah, t'as gagné une vie. Oui, parce qu'il est passé à 150 000 points. T'es toujours à la traîne, hein, Fred, au niveau du score. Hein. Ouais, ça va, il y a 1000 points d'écart. Ah, mais c'est toujours l'assistant qui est devant. Attends, hein. Laisse-le-moi, alors, justement, je suis à la traîne au niveau des points. Ah, oui, déjà. Alors. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Tout ça pour ça. Ah, tu vois, voilà, t'as gagné une vie. Mais je sens que sur ce stage, il va y avoir des surprises. Il est pas facile, celui-ci. C'est pas facile, pendant toute sa vie. Je suis content que ce soit Hop. Ouais, t'es content, hein, tu sais quel est le boss ici. Non, je. Ah, est-ce que ça se voit pas... mais... il me semble, je crois savoir. C'est pas un gars qui vole. Ah non, ça c'est dans le 2. Ça c'est Baxter dans les Tortues Ninja. Non, c'est dans le 2 que tu as un mec qui vole. Ah, on est d'accord. L'animation. Non, on est pas d'accord, c'est pas dans celui-là. C'est toi ou c'est moi? Ah, c'est pas possible. Bah si. On vient de balancer nos bombes, il faut c'est dommage. Pour retrouver nos bombes. L'animation derrière, tu dis? De l'eau qui. C'est fantastique. Ah oui, t'as vu? Qui ondule, oui. On doit être à San Francisco là, je pense. Tu peux casser les petits trucs, il y a des trucs de fois dessous. De travaux. Ah, de l'argent, ça nous sert à pas grand chose. Ça fait des si points. Gagner des vies. Des points. Donc des vies. Tiens, plus pas, ça ne s'arrête pas! J'aime bien les mecs. Ah, tu lui as fait technique Okuto Shiken. Là. Bonjour, j'ai papi, papou, une part d'argent par terre. Ah oui? Que dois-je en faire? C'est ça. C'est un policier, il devrait la ramener. Ouais, aux objets trouvés. Ouais, aux objets trouvés. Et si personne la réclame, au bout d'un an, tu peux la récupérer. Non ! C'est pas ça, mais j'ai... En fait, quand tu perds une arme et que t'en as une autre à côté,
Et à chaque fois, quand tu veux prendre, ça change. Ça change d'arme, ouais, exact. Faut que tu la perds au bout de deux ou trois fois. Goûte à mon genou, goûte à mon jean. C'est un lobu. Oui, c'est ça. Il est quand même super souple hein, pour un mec en jean. Ah ouais, pour avoir une jupe en cuir, tu crois qu'elle est pas super souple, elle. Ouais, c'est vrai. Mais elle est courte. Elle est courte, donc elle est à plus libre. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Après l'avantage de jouer Blaze et Axel, vous pouvez faire des combos. Ah, de... bien, mais les autres aussi. Donc il y a des combos avec tous les personnages. Tu étais en train de nous dire que le boss. Oh, il y a un chevalier rouge. Allait faire très très mal, c'est ça. C'est ça. Et comme vous avez utilisé vos deux attaques spéciales, on va aller. Ah oui, certainement. Sûrement. Ça nous fait plaisir. Vous en avez encore gagné, non? Oui, on en a 5 vies, oui. Oui, ils en ont trouvé une dans les plots. Dans les plots, dans les cônes de Lübeck. Ah, je comprends pourquoi tu ramasses les cônes toi dedans. Pas gentil. C'est faux, je réfute toute allégation diffamatoire. Oh là là, il fait. Oh, vous avez vu, il a fait une glissade, il a fait un slide. Il a fait un tac, ouais. Mark Landers, il s'appelle en fait, celui-là, je crois. C'est un joueur de baseball. Alors lui aussi, il a une façon bizarre de tenir son couteau. Oui, il arrive les deux avec le couteau en avant. Et tiens, mange. C'est en fait un méchant de comédie musicale. Oh, on est d'accord qu'il faut pas aller vers le côté noir en bas, hein. C'est le côté obscur. Ça s'appelle un trou. Oui, Fred, ne bascule pas dans le côté obscur du jeu vidéo. Oui. C'est vrai? Oui. Oui, mais pas sur Rob. Oui, c'est ça. Tiens! Bah, tu l'as lancé dans le vide. Tiens! Non, il a visé Rob, je l'ai vu. Ah ouais, il l'a raté, c'est tout. Tiens! Ah, ça, c'est le jeu du German Suplex. Moi, j'aimerais bien faire un German Suplex par Blaze, quoi. J'avoue. Axel, vite, go, il y a du rôti! Go poulet, go poulet! Le mec il saute pour y aller, t'as... Oh j'y vais! C'est bon. Là il fait peur. Ouais, moi aussi je peux sauter. Hey! Elle a pas enroué Blaze quand même. Oh, calme-toi. Ça sent bientôt le boss. Ça sent le boss, c'est là que vous allez l'affronter. Enfin, les affronter. Le boss, il faudrait peut-être qu'on prenne le couteau là. Ils vont arriver chacun, il y en a chacun. Ça sent côté. Le boss, il faut prendre du déodorant. Pas mal, un peu vert. Pas mal. D'accord. Fais des squats là, tu chauffes. Attends, avance un peu, je voudrais prendre le couteau. Tu peux pas avancer plus. Ah, il fait peur. Ouf. Ah, c'est les cracheurs de feu. Eh oui. Ah, j'aime pas les. Ouf, en fait. J'aime pas les gros, c'est ça que t'as dit. Non mais c'est super relou quoi. Ouf. Ah j'avais pas une attaque. Bah non, c'est parce que t'as perdu une vie. Non, tu l'entends pas, mais y'a quelqu'un qui l'entend. J'entends ce que tu vas faire à moi dessous. Tu sais à qui me font passer eux? Ils me font penser à... Oui, à la boule dans Fort Boyard. Non, ils me font penser à un perso de jeu vidéo, Carnov. Ouais, c'est pas faux. Oui, je vais utiliser. Utilise la force. Tiens, mangez une salle. Pas de discrimination. Pas de discrim. Ils ont eu mal quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais nous aussi. On est toujours en diagonale. Non, en fait, ils vont vers vous. En fait. Ils vont vers vous, c'est ça le truc. Ah, en général, pour jouer, c'est un gars, ouais, il faut aller vers lui. Bien joué, bien joué. Fin du deuxième... de la moitié du jeu. 4 pour un stage avec toi, Aude. Non, ça fait 4, donc c'est bon. Ouais, ben Aude, merci beaucoup, alors. Mais on va accueillir Jorus maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Allez, Fred, tu as parcouru la moitié du jeu. C'est pas le moment de relâcher son attention. La suite au prochain épisode.